Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un unboxing, voilà, je devais vous le faire déjà depuis quelques jours, mais bon, j'ai pas eu le temps et puis j'ai eu quelques petites vidéos que vous avez eu déjà à faire avant, voilà. Donc c'est unboxing de la boutique E Diamond Painting, voilà. Alors, pourquoi j'en ai encore une aussi près que de la précédente, voilà, je vais m'expliquer. Parce que, bon, je ne l'avais pas expliqué dans l'autre vidéo. Quand ils m'ont fait choisir mes kits, et que j'ai reçu mes kits, que je vous avais présenté dans l'autre vidéo, je vous remettrai le lien ici quelque part, il y a eu une erreur. Voilà, il y a une erreur de kit, la personne qui a préparé la commande s'est trompée. Bon, ça arrive, voilà. Donc, j'ai envoyé, oh là, je bégaye. il est que 9h30 du matin, hein? Donc ça fait une heure que je suis réveillée. la personne avec qui je contacte par email m'a dit, bon, s'est excusé et tout, et m'a dit, je vous renvoie tout de suite les kits qui manquent, puisqu'il y en avait un qui était bon dans le colis, et donc il en manquait deux. Et elle m'a dit, bien sûr, vous gardez ceux que je vous ai envoyés, hein, voilà. Donc c'était très gentil de sa part, et donc elle m'a renvoyé. Voilà, les kits manquants. Et donc, j'ai bien les kits qui me manquaient la dernière fois. Et j'en ai, au lieu d'en avoir deux, il y en a trois. Donc, le troisième, je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, et puis une surprise à la fin. Donc, tout est arrangé. J'ai eu mes kits que j'avais choisis. Et du coup, ben, je me retrouve avec des kits supplémentaires puisque l'envoi précédent, c'est des kits qui n'étaient pas prévus. Voilà. J'espère que vous avez compris mon bafouillage du matin. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Donc, celui-là en dernier. Je vais vous montrer les kits que j'aurais dû recevoir la dernière fois et que j'ai reçus cette semaine. Voilà. Donc, j'aurais dû vous les présenter déjà il y a quelques jours, mais bon, j'ai pas. D'habitude, je montre le jour même hein, que je reçois, mais là, bon, j'ai pas eu le temps. Donc, je m'en excuse auprès de la boutique, mais c'est pas mon habitude de faire attendre, de faire une unboxing, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, comme d'habitude, le petit kit qui va bien. Alors, ici, ce sont des perles rondes. Voilà. Hop, hop. Donc, elles sont en sachet zippé. Donc, c'est un kit qui mesure 30 sur 30. Donc, ce n'est pas un grand, hein, c'est un petit, mais bon. Je crois qu'ils sont en train de couper. Attendez, bougez pas. Je reviens, hein. Je ne suis pas là. Je vais à ma fenêtre. Ah bah oui. Eh bah oui. Ils sont en train d'enlever carrément les arbres qu'on avait au bout de notre jardin. Alors, on n'aura plus d'arbres. Bon, bah tant pis, hein. Mais je crois que j'ai entendu, enfin, c'est les ragots du voisinage. Bon, surtout j'ai un voisin qui, lui, les ragots, il adore ça. Donc, je prends ça au deuxième, même dixième degré quand il me raconte un truc. il paraît qu'on va nous raccourcir nos jardins pour qu'on puisse... alors, ils vont nous les raccourcir et nous faire une entrée pour qu'on puisse mettre notre voiture. Puisque devant, alors c'est prévu hein, depuis un moment, devant il y aura, les voitures stationnent des deux côtés à cheval hein, sur les trottoirs,
Mais on aura, ils vont enlever le stationnement d'un côté, donc il n'y aura plus qu'un côté de stationnement, et bien sûr, ce sera le côté de nos maisons. Youpi! Et donc, ça va prendre. Ce sera. Comment on va dire? Tu auras de la place si quelqu'un n'a pas pris ta place quand tu arriveras chez toi. Donc, le jour que tu fais ton plein de courses, ce sera super, hein? Donc, ils ont prévu normalement donc, de nous couper une partie de notre jardin pour qu'on puisse rentrer nos voitures par derrière. Ouais, mais alors, bon, maintenant ils coupent les arbres. Donc, je pense qu'ils vont certainement commencer les travaux, mais nous, on ne nous a pas prévenus, hein. Mais j'aimerais bien qu'ils nous préviennent parce que moi, au bout, j'ai planté des petits arbres, des arbustes l'année dernière. Donc, je ne voudrais pas qu'ils me les foutent en l'air. Voilà. Donc, j'aimerais bien savoir à l'avance ce qu'ils vont faire de nos bouts de jardin. Mais là, je vois qu'ils coupent déjà les arbres. Il y a pareil, il y a des garages privés au fond. C'est comme une petite allée, vous savez. Et les voitures peuvent passer, mais que dans un sens. Et donc, nous, il y a nos jardins, et en face, il y a des garages privés. Et il paraît que les garages privés doivent être rasés aussi, et qu'il y aurait un parking. Donc, ça va être le bordel pendant quelques temps. Mais bon, nous, on n'est pas prévenus, donc ce n'est que des bruits de couloir que nous avons. Donc, les bruits de couloir, c'est surtout ceux de mon voisin. Mais bon, on verra. Et comme j'avais expliqué la dernière fois que maintenant on est coincé ici, qu'on ne bougera plus, je voudrais bien savoir. Bon, allez, c'est pas le but de ma vidéo d'aujourd'hui, mais c'est parce que comme j'entendais les tronçonneuses, enfin, l'arbre, ça me fera moins de feuilles mortes dans mon jardin aussi, mais bon, enfin, c'était bien quand même, avoir un arbre, il était très grand, hein, cet arbre, mais bon. D'arbres, tant pis. Alors, hop, vous voyez, c'est des sachets zippés avec le gros numéro dessus, donc le numéro 1. Donc, les sachets zippés comme ça, j'aime bien parce que vous économisez après des sachets que moi, vous savez, alors je sais plus où je les ai, là, voilà. Hop, 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 moi j'ai une grosse boîte de sachets d'avance, hein, il y en a 1000 dedans. Donc, voilà, c'est que j'achète chez Amazon. Je vous remettrai le lien en dessous, si ça peut vous intéresser d'en trouver. Parce que je ne les ai pas payés cher. Hein. J'avais payé dans les 11 euros, 12 euros. Ça me fait économiser des sachets. Et après, je remets là-dedans. Et je remets plus que juste une petite étiquette avec la référence couleur. Puisque là, il n'y a pas la référence couleur, c'est juste le numéro. Voilà. Donc, le 1. Bon, je vous montre juste les couleurs, hein, vous voyez. Alors, désolé pour le bruit, hein. Un joli kaki. Alors, celui-là, quand je vais le faire, je sais déjà où je vais le mettre. Je vais vous dire ça après parce que je ne vais pas vous l'expliquer avant, sinon vous allez deviner ce que c'est. Alors ça doit être ah non, c'est pas du noir. C'est un marron très foncé. Là, on arrive au bout. Ah, je ne vous ai pas dit le nombre de couleurs. 24. 24 couleurs. Et voilà. La dernière. Donc voilà. Ah, mon jardin, en tout cas, il est dans un état. De toute façon, c'est l'hiver, je peux rien y faire.
Et puis comme je prévoyais de partir de la maison, je faisais plus rien. Mais bon, on refera ça au printemps. Alors, donc je disais, il a 24 couleurs, c'est un 30-30. Niveau toile, vous voyez, il n'est pas abîmé. Et donc, voilà le dessin. Hop, voilà. Je suis là. Des petits cactus rigolos. Avec des petites fleurs. Donc, celui-là, si je le fais, il ira dans ma pièce de devant. Si vous avez déjà vu ma vidéo plan de tour, je vous remets le lien ici, tiens, si vous voulez voir la vidéo plan de tour que j'avais fait pour vous montrer les plantes que j'avais dans ma pièce. J'en ai que quelques-unes, hein, j'en ai pas beaucoup. Et donc je mettrai celui-là dans cette pièce. Voilà. On va le remettre dans sa petite poche. Donc là, j'ai eu la poche dans les mains, ça fait rien. Ah, mon feutre est resté en bas, mince. Bon, c'est rien, de toute façon, je vois ce que c'est. Et voyez, là, on a aussi le nom de la boutique dessus. Donc, je fous tout par terre. Je suis pas réveillée, hein. Voilà, allez, le deuxième, alors il est où le bout? Ah, il est là, voilà, hop, donc je crois que c'est un 30-30 aussi, voilà, et il a 24 couleurs également. Le petit kit qui va bien. Ah, je n'avais pas montré. Donc, c'est un petit kit, vous voyez, avec les petits embouts supplémentaires. Voilà. Donc, on peut en mettre 10, l'autre, on peut en mettre 5. Et puis, le stylet, où on peut en mettre qu'un. Et il a des petits sachets en plus. Donc, idem, perle ronde en sachet zippé. Et cette fonctionneuse qui m'embête, qui m'énerve. Pauvre arbre. Il doit avoir mal, non? Sniff, sniff. Enfin, ils étaient déjà venus l'année dernière. Ils avaient commencé déjà à couper des branches. Je m'étais dit, bon, ils sont longs, élagués. Mais je ne voyais pas de branches qui repoussaient. Donc, je dis mince. Et là, il y a 15 jours, ils l'ont bien coupé. Et là, maintenant, c'est le tronc. Donc, quand j'ai vu qu'ils ont bien coupé les branches, j'ai dit, oula, lui, il a fini sa carrière, pauvre arbre. Allez, je vous montre les couleurs. Enfin, il y a une dizaine d'arbres hein, dans l'allée. Donc, ils vont couper la dizaine d'arbres. Je sens que ma chaise est encore en train de descendre. Je vois ma tête qui descend. Elle m'énerve cette chaise, mais elle m'énerve. Je le vois dans le retour. Je me vois descendre. Vous allez finir par me voir, mais ici. Oh, c'est pas vrai. Là, il y a du. Ça, c'est. Ah non, c'est du vert foncé. Non, c'est pas du noir. Ça a l'air d'être un vert foncé. Des roses. Donc là, il y a beaucoup de roses, de mauve. Ouais, ça m'énerve. Hop. Ah,
suis mieux, vous voyez? Mais ça m'énerve. J'ai dit à mon mari de regarder, mais il n'a pas encore regardé. Faut que je lui dise. Enfin, je peux regarder moi-même aussi, hein, mais bon. Quand on a un mari à la maison, ça sert à ça. Voilà. Et voilà. On va les remettre dedans. Donc, comme d'hab, la toile est nickel. Et celui-là pourrait aller aussi dans ma pièce de devant. Donc des orchidées avec un joli papillon. Donc tous les deux sont des kits entiers, hein, complets. Je n'avais pas montré l'impression, mais ah, il floute. Voilà. La toile est brillante. Ça fait, j'aime bien. Bon, une fois que les perles sont dessus, ça ne se voit plus, hein, mais. Allez, le deuxième. Ça s'est arrêté un petit peu. Donc voilà. Et le dernier, alors le dernier va vous rappeler quelque chose. Je vais pas vous montrer les perles parce que bon bah vous les avez déjà vues. Je vais juste vous montrer le kit. Je vais juste vous montrer le sachet de perles. Donc pareil, le petit kit qui va bien. Et donc voilà les perles. Rondes dans les petits sachets zippés. Donc c'est un sweat un peu plus grand. C'est un 30-40. Voilà. Et il a, si je regarde à l'endroit, ça ira mieux. Il a 24 couleurs également. Alors, celui-ci. Ils me l'ont mis dans le paquet, mais là, ils me l'ont déjà envoyé. Donc, je l'ai en double. Voilà. Vous vous rappelez. Donc, celui-là, je vais le garder de côté. Voilà. Et il fera partie... Alors, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Ne venez pas me mettre en commentaire quoi que ce soit, mais il fera partie d'un prochain concours, je ne sais pas quand, je vais voir quand est-ce que je vais l'organiser, mais c'est pas aujourd'hui, ne venez pas me marquer en dessous, je participe, non, c'est pas aujourd'hui du tout. Je vais organiser ça, puis vous savez que je préfère, j'essaye toujours d'avoir plusieurs lots, donc je vais me le garder de côté et ce sera un des lots pour un des prochains concours, voilà, puisque je l'ai en double, je vous ferai gagner une prochaine fois, voilà. Donc, ce sera aussi des perles rondes. Mais on en reparlera le moment venu. Donc, voilà ce que j'ai reçu de la boutique A Diamond Painting.
Donc, je les remercie encore une fois et je les remercie beaucoup d'avoir corrigé cette petite erreur. Bon, qui ne m'a pas chagrinée, hein, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ils ont réagi immédiatement. Donc, même si ça aurait été un achat, ben voilà, ça, leur réaction a été immédiate. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Ils ont un service après-vente qui réagit, comme elle m'avait expliqué, hein, qui réagit immédiatement. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, je les remercie beaucoup. Donc, pour le troisième kit, on en reparlera plus tard. Vous inquiétez pas. N'oubliez pas... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce matin, j'ai mis... ce matin, non, hier. Hier soir, j'ai mis les résultats du dernier concours. Donc, allez voir. Il y aura d'autres vidéos cette semaine, comme d'habitude. Hein. Bon, je verrai ce que je vais mettre. J'ai plein de choses à vous mettre. Et là, on se retrouvera donc rapidement donc, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Là, aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement. À bientôt. Bisous, bisous.